Bonjour, sais-tu d'où le saucisson brioché est une spécialité? Si c'est le cas, dis-le dans les commentaires. En attendant, nous on va filer en cuisine et n'oublie pas que les ingrédients se trouvent à la fin de la vidéo. Je commence par préchauffer le four à 150 degrés. Et ensuite, je vais m'occuper simplement du saucisson. Donc là, bon, j'en ai pas trouvé un grand, mais c'est pas grave, j'en ai pris deux petits. Simplement, ils ont des petites ficelles que je vais retirer parce qu'une fois que ça sera dans la brioche, moi j'aime pas trop tomber sur un fil. Mais alors, il faut faire très attention à ne pas percer la peau. Je prends les œufs. Et je vais les battre avec le sel. J'ajoute 15 cl de crème épaisse. Je mélange. Je mélange ensemble la farine et la levure avant de les ajouter à mon mélange. La pâte est prête, j'ai chemisé un moule à cake. Je vais mettre un tiers de la pâte, mes saucissons, puis recouvrir du reste de pâte. Attention à ne pas prendre un moule trop grand pour que les saucissons soient bien recouverts de pâte. Et maintenant, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Et voilà, ce n'est pas la recette originale puisqu'elle est facile et rapide. Mais avoue que ça en vaut le coup quand même. Allez, à très vite!